la 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 71 d'art dramatique. Oui, je parlais de l'éthique hier soir, l'éthique de l'acteur. C'est une partie importante du travail. Alors l'acteur, lui, évidemment, il est dans un monde imaginaire, n'est-ce pas? Mais c'est une mini-représentation d'une certaine réalité, sa réalité à lui, sa réalité de son monde. Et dans cette réalité fausse, hein, tout est faux, hein, quand je vous parle là, c'est tout est faux, faux, faux. C'est de la mise en scène, attention. Il faut être bien conscient de ça. D'ailleurs, on n'est pas habitué, nous, à parler de choses fausses à la télévision. On vous rabâche sans arrêt que ce que vous voyez, c'est vrai. Alors, quand quelqu'un vous dit que tout est faux, c'est faux du fait que je vous cache des choses que je ne vous dis pas. Vous ne pouvez pas non plus interagir avec moi. Donc je suis maître à bord de ma petite scène, c'est moi qui fais comme je veux. Et donc c'est truqué. Tout est truqué. Alors, dans ce trucage, pourquoi j'enseigne l'art dramatique? L'art dramatique, c'est d'enseigner aux gens que justement c'est un trucage. Et que ce trucage, il obéit à des petites lois. Des petites lois inspirées de notre vie quotidienne. C'est tellement bien inspiré de notre vie quotidienne que vous avez l'impression que c'est du réel, ce que vous voyez. Alors que c'est un trucage. C'est un trucage, vous ne pouvez pas me toucher là. Essayez tant que vous voulez. moi, d'ailleurs, quand vous me verrez, je serai ailleurs. Peut-être que je ne serai même plus dans ce monde. Peut-être que je serai mort. Peut-être que je serai... Enfin, je serai ailleurs. Je ne vais pas rester là toute ma vie. Hein. Donc, je serai ailleurs. Vous ne pourrez même pas me parler. Tout est faux, en fait. Ce que vous voyez... À l'instant où vous le voyez, c'est du faux. C'est du fabriqué, quoi. C'est de la mise en scène. Voilà. Je suis un metteur en scène, doublé d'un comédien, qui a un scénario, et qui vous parle, dans un but bien précis, de vous enseigner la comédie, à jouer la comédie. Ça, c'est mon objectif. Vous me regardez pour ça, hein. Sinon, si vous voulez faire autre chose, il vaut mieux arrêter, faire autre chose. Moi, je suis là pour vous apprendre à faire de la mise en scène comme ce que je fais en ce moment devant vous. C'est un cours d'art dramatique. Voilà. Non, je le répète, parce que les gens n'ont pas conscience. Quand ils regardent la télé, ils prennent tout comme si c'était réel. Ils voient quelque chose. Ah ouais, ouais, ça c'est vrai, hein, ce qu'il nous dit le monsieur là. C'est probablement vrai. Oh, c'est vrai à... Allez, 98%, c'est vrai. 0%, 0% de vrai, tout ce que vous voyez,
regardez les émissions d'il y a 50 ans, 100 ans en arrière, vous allez rigoler. Regardez les films qui se sont passés il y a 50 ans en arrière. Bon, c'est des films modernes encore, mais tout est faux. Vous, ça saute aux yeux. Vous voyez, là vous en rendez compte, vous avez pris du recul et vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous disait, c'était une époque. Ça faisait partie d'une croyance de l'époque. À l'époque, on pensait comme ça, on avait des idées. C'est tout faux tout ça. Donc, l'art dramatique, il est là pour vous raconter des histoires et in fine, il est là pour vous rendre heureux. Parce que vous regardez une scène fausse, donc cette scène fausse, elle va agir sur votre humeur interne. Soit elle va vous faire du bien, soit elle va vous faire du mal. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est comme si vous preniez un médicament. Soit il va vous faire du bien, soit il va vous faire du mal. Et si vous n'êtes pas conscient de cette relation entre ce que vous voyez et votre humeur interne, vous êtes naïf. Vous tombez dans la manipulation. Vous manipulez par l'intermédiaire d'une télévision qui va vous atteindre dans votre vie quotidienne. Un exemple tout simple. Les gens qu'on enrôle pour faire la guerre, les Français qui sont enrôlés par la télévision, les réseaux sociaux, qui sont enrôlés pour aller dans tel pays, se battre. On a agi sur leur humeur interne, on les a transformés et on les a poussés à réagir dans leur vie quotidienne et on les a détruits. Évidemment, ils les ont détruits. Mais ils n'étaient pas conscients quand ils ont vu les images du mal que ça pouvait leur faire. Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre. C'est que tout est faux, mais que cette fausseté va agir sur votre humeur interne, sur vous, d'une certaine façon. Alors, ça va vous rendre heureux, malheureux, ça va changer votre vie. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que c'est puissant, c'est très puissant. La télévision est très puissante sur votre vie. Ça fait agir les consommations, les consommateurs, ça provoque des guerres, ça provoque des mouvements de foule, ça provoque des révoltes, ça provoque des malheurs, ça provoque des drames. Et oui, il ne faut pas prendre ce que vous voyez à la télévision comme une image réelle représentant la réalité. Et ce qu'on constate, malheureusement, c'est que tout est fait à la télévision, dans toutes les émissions actuelles, de plus en plus, pour vous faire de la mise en scène, mais vous faire croire que tout est réel. On vous présente des jeux vidéo, des jeux télévisés en direct pratiquement, pas tout à fait en direct, mais on vous présente des gens du public, on vous force à croire que l'image télévisuelle est de la réalité. On vous donne le journal télévisé avec un speaker
qui prend une allure très sérieuse en vous disant voilà ce qui est arrivé, ceci, cela. Évidemment, vous y croyez, tout ce qu'il vous dit. Hein. Je développerai ce sujet de l'information. Pourquoi l'information est fausse à la télévision? Elle est fausse parce que ce n'est pas le contenu qui est faux. C'est la manière de le dire. On vous influence rien qu'à la manière de le dire, sans que vous en ayez conscience. Je vous donne un exemple. Prenons la météo. La météo, on va vous dire, voilà, il y a du soleil sur la France, tout est beau, tout est rose. Alors, si on va vous dire, il y a du soleil sur la France et le reste n'a plus d'importance, vous allez être heureux. Si on va vous dire, il y a du soleil sur la France, mais attention, à tel endroit là, il pleut. Ça a tout changé. C'est la même information, mais tout à coup vous avez pris un doute. Vous n'êtes plus du tout heureux. C'est la même information, mais on a atteint votre humeur interne. On vous a atteint. La première, c'était tout était beau. La deuxième, c'est y'a, mais attention. Alors, tout est manipulable. Tout est trucable. Par exemple, on est dans le Covid-19. Alors là, c'est flagrant la manipulation de masse qui se passe. Flagrant, hein. Mais dans tout, c'est pareil. Je ne veux pas rentrer dans tous les exemples, mais vous constaterez que c'est la façon de le dire qui provoque tout. Tenez, par exemple, les événements du 11 septembre qui se sont passés avec les deux tours américaines qui se sont écroulées. Prenons cet exemple. C'est un bon exemple. On a diabolisé là-dessus. On a diabolisé le monde entier sur deux tours qui se sont écroulés. Tous les jours en France, il y a des milliers de morts. Dans le monde entier, il y a des milliers de morts. On va dans le pays du tiers-monde, mais il y a des centaines de millions de morts chaque année pour le palu, pour des maladies. Personne ne diabolise. On trouve normal. C'est la manière dont on vous présente l'information qui va vous atteindre. Et là, on est très fort. Ils sont très forts. Ils ont diabolisé une religion. Ils ont diabolisé. Mais c'est affreux. C'est affreux, affreux, totalement affreux, l'impact de leur, du pouvoir qu'ils ont atteint sur les gens, dans un cadre faux, dans une parole fausse, tout est faux, et ça provoque des déchaînements de foule, ça provoque des drames, les gens sont détruits. Évidemment, les exemples, il y en a pléthore dans l'histoire de tous les drames qu'il y a eu à cause de ça, à cause de cette manipulation des foules. Des drames monstrueux dans le monde. Et ça continue encore et encore et encore. Encore et encore. Il y en a marre, hein. Oh, oh, il faut quand même comprendre une chose, que tout est faux. Ce que vous voyez dans l'écran, tout est faux. Quand on vous dit cette voiture, c'est une voiture formidable, ceci, cela, c'est une marque, mon ami. C'est de la merde.
Mais vous allez croire. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils vous amènent à vous tromper. Et moi, qui va vous enseigner l'inverse, mais ils vont m'assassiner. Il y a une puissance. Ils vous tiennent à la gorge. Ils vont pas vous lâcher. Ils vont pas lâcher le lièvre. Vous êtes les moutons. Comprenez? Ils vous égorgent un par un. Ils continueront jusqu'au dernier. Moi, je suis le berger. Je vous avertis du loup. Mais le loup, il est puissant. Le loup, c'est plus le berger qui commande, c'est le loup. Voilà. Écoutez, vous avez compris, je pense que vous avez compris que tout est faux. Moi, en ce moment qui vous parle, c'est de la mise en scène, c'est du postiche, c'est du Coluche, c'est n'importe quoi. Même Coluche peut faire, ils l'ont diabolisé. Ils ont diabolisé même les comiques. Et ils sont forts, hein. Ils sont forts. Moi aussi, ils me diaboliseront. C'est pour ça que je vous le dis. Je vous le dis que tout est faux. Moi, ce que je dis, il ne faut pas me croire. Parce que moi, je mens. Je mens, je suis un personnage. Je mens, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis, c'est faux. C'est à vous faire une idée de ce qui est vrai et de ce qui est faux dans la vie. C'est pas à moi à vous dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Moi, la seule chose que je peux affirmer, c'est que là, maintenant, quand vous allez me voir, je n'existerai plus. Je n'existerai plus dans le film là. Là, quand vous me voyez, ce que je vous dis, ce sont des paroles choisies. Je ne vous ai pas dit plein de choses que j'aurais pu vous dire. Je vous ai caché. Je vous ai mis dans ma poche. Je vous ai mis dans ma poche pour que vous me croyiez. Voilà, en quelque sorte, je suis un imposteur. Je m'appelle Filou Dingo. Filou Dingo n'existe pas, c'est un personnage. Vous voyez? Voilà. Mais ce n'est pas pour me défendre que je dis ça. C'est la réalité. Je suis un acteur, un comédien. Non? Qui c'est qui va dire le contraire? Je ne suis pas un comédien? Qu'est-ce que je suis là? Je suis dans la télé. Je suis au théâtre. Bon, d'accord, je suis dans la nature. Voilà, je me suis fabriqué un décor. Mais je suis un comédien quand même. Vous n'allez pas dire que Filou Dingo, il existe. Il y en a qui vont le chercher, Filou Dingo, pour lui faire la peau. Allez, je vous remercie pour ce soir. J'en ai beaucoup dit. Réfléchissez. Il y a beaucoup à réfléchir. Thank you.